Les amis, bienvenue pour la cinquième séance de la semaine. C'est ma séance préférée, séance épaule trapèze. Il y aura trois exercices, un exercice par faisceau, tout simplement, simple, efficace. Et aujourd'hui, on va tout faire aux haltères, car dans les commentaires des présentes vidéos, des gens m'ont dit « Oui, mais Rob, toi, tu as la chance d'être à Nojo, une salle qui est super bien équipée, bla, bla, bla. » Nous, on n'a pas forcément ces machines-là que tu nous montres dans tes vidéos. Donc aujourd'hui, l'accent est sur les haltères. Donc si tu me dis que tu n'as pas d'haltères dans ta salle, bah, fais du ping-pong, arrête la muscu, frérot. Avant de commencer cette vidéo, j'ai une petite aparté à faire avec vous, comme d'habitude. J'ai lancé mon programme, le protocole, le premier programme francophone qui booste vos hormones naturellement. Et le lien de ce programme est dans la description de la vidéo, donc les amis, n'hésitez pas à aller checker. Ceci étant dit, chacune de mes séances commence par les abdominaux. On va commencer par un mouvement qui travaille le bas des abdos, le milieu des abdos et qui gaine également tous les abdos. Je sais, ça paraît incroyable, ben ce mouvement existe vraiment. On est parti pour 5 séries de 20. Will, let's go. Alors les amis, le mouvement est simple. On tend les jambes, on tend les bras devant soi, on ramène tout simplement les deux. Mais ce qu'on va ramener le plus, c'est les jambes. On va décoller légèrement les épaules, mais le buste va décoller beaucoup moins que les jambes. On est parti, on tend les jambes derrière soi, tend les bras derrière toi. Parfait. On ramène les jambes. Super. On descend, on monte maintenant. Quand vous êtes dans cette position-là, vous êtes gainé. Et quand vous remontez les jambes et les bras en même temps, vous travaillez le bas des abdos et également le haut des abdos. Donc, c'est un mouvement qu'on peut qualifier de complet. On va faire 20 répétitions. Au terme des 20 répétitions, on va prendre 45 secondes de récupération. Et on va enchaîner 5 séries comme ça avant de passer à notre premier exercice pour les épaules. Tu peux poser. On est parti pour la cinquième et dernière série, les amis. Let's go. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, encore 13, 14, encore 15, encore 5, 16, encore 17, encore 18, encore 2, 19 et 20. On vient de terminer notre cinquième et dernière série. On va passer au premier exercice pour les épaules, les amis. Let's go. On est parti pour le premier exercice pour les épaules. On va commencer par le faisceau postérieur, poitrine sur banc incliné. On va faire une prise neutre. Pensez toujours que c'est vos coudes et vos mains qui vont tracer l'axe de travail. Donc on est parti, tu tends les bras sur les côtés. Mon petit Will, on est parti pour 20. On y va. Plus tendu sur les côtés, plus tendu. Plus tendu. Quatre. 5, 6, vous voyez bien l'arrière d'épaule travailler, 7, super, monte les coudes plus haut, 8, 9, 10, encore 11, 12, 13, 14, encore 15, encore 5, 16, encore 17, 18, encore 2, 19 et 20. Alors ça, c'est une sorte de rowing en mettant les coudes légèrement vers l'avant pour travailler le faisceau postérieur des épaules et pas les dorsaux et les rhomboïdes. Donc l'axe de travail est sur les trapèzes et l'arrière d'épaule. C'est préférable d'employer cette technique-là quand on fait du myofibrillaire car on va charger et mettre une charge très très lourde. Donc si on avait les bras tendus sur les côtés et si on faisait un arrière d'épaule classique, à une charge lourde, le mouvement serait plus parfait et on ne pourrait pas monter en charge, avoir une amplitude complète. On se retrouve pour les 4 séries de travail. On va faire une série de 20, une série de 15, une série de 12, une série de 10, une série de 8, donc 5 séries d'échauffement avant de passer à notre 4 séries de travail. Donc bon, on va vous épargner les séries d'échauffement. On se rejoint pour les 4 séries de travail, les amis. À tout de suite. Enfin, nous voilà à la première série de travail. Série de travail à 30 kg, les amis. Bon. Évidemment, mettez une charge que vous pouvez développer. C'est pas parce que Will met 30 kg que vous êtes obligatoirement mettre 30 kg. Hein. Je tiens à le préciser. On est parti, mon petit Will. On est parti pour 6. C'est du sérieux, les amis. Let's go. 2, 3, 4, 5 et 6. Pause. Donc, vous voyez, sur cette technique, on voit vraiment bien travailler l'arrière d'épaule. C'est une technique qui permet de mettre lourd et d'avoir une technique parfaite. Si vous faisiez les élévations latérales classiques, bien évidemment, vous ne pourriez pas et Will ne pourrait pas mettre une charge aussi importante. D'habitude, on voit ce mouvement fait
à la barre ou même à la Smith Machine sur le banc incliné, c'est très très bien également. Donc je vous conseille d'essayer, de me mettre en commentaire le ressenti que vous avez sur ce mouvement qui travaille également les trapèzes, car nous allons travailler les trapèzes à la fin de la séance épaule, donc c'est de la pré-fatigue, donc c'est bénéfique. On va prendre 2 minutes de récupération et on se retrouve pour la dernière série de travail, les amis. Cinq et six, on peut. Voici la quatrième et dernière série de travail. On va passer au deuxième exercice. Donc un exercice pour le faisceau postérieur, un exercice pour le faisceau latéral, un exercice pour le faisceau antérieur, un exercice pour les trapèzes et tout ça avec des haltères. Deuxième exercice, élévation latérale debout avec haltères. Donc bon, avec lui, on a brainstormé avec lui, les moralisateurs Adrien, pour savoir à quelle charge de travail il allait pouvoir faire ses séries de travail. Il nous a dit 40 kilos. Donc on va s'échauffer à 25 kilos tout simplement. On est parti, mon petit Will. C'est pas un jeu, les gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, monte, 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 8, 9, 10, 11, encore, encore, 12, 13, 14, 15, encore 5, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc comme vous pouvez le voir, certains vont me dire oui, mais monte pas les coudes assez haut, les coudes sont pas dans l'alignement des épaules. Eh bien, quand les coudes sont dans l'alignement des épaules, on va également solliciter les trapèzes. Quand les coudes sont entre les tétons et les épaules, là, on est vraiment sur le faisceau latéral, car on garde le muscle en tension. Donc, quand vous mettez des charges lourdes, ça vous permet, en définitive, de mieux sentir le faisceau latéral des épaules. Quand vous mettez des charges légères et que les coudes sont dans l'alignement des épaules, ou même quand vous mettez des charges lourdes et vous cherchez à monter vos coudes dans l'alignement des épaules, eh bien, vous travaillez également les trapèzes. Donc, on n'est plus sur le faisceau latéral. Donc, une charge plus lourde peut permettre de travailler mieux le faisceau latéral car vos coudes ne sont pas dans l'alignement des épaules. Je sais que tu as un crack, je sais que tu as compris ce que je voulais dire. Donc, on va faire une série de 20, une série de 15, une série de 12, une série de 10, et après, on va passer à nos 4 séries de travail. Première série de travail à 40 kg, donc évidemment, à ne pas reproduire chez soi, il prend 40 kg, ça ne veut pas dire que tu dois prendre 40 kg, donc fais bélec à tes articulations, parce que tout le monde ne peut pas développer une charge aussi lourde pour ce type d'exercice. Deux, trois, quatre, cinq, et six, pause. Donc, pour les personnes qui vont dire « Oui, mais monte pas jusqu'en haut », bon, déjà, ils montent pas jusqu'en haut parce que c'est lourd. Et comme je le disais tout à l'heure, sur le faisceau latéral, il n'est pas important de monter très très haut pour solliciter que le faisceau latéral des épaules. Plus on va monter haut, plus on va travailler les trapèzes. Et le but, quand on travaille les élévations latérales, c'est de travailler le faisceau latéral. C'est pour ça que beaucoup de gens ne sentent pas le faisceau latéral car ils montent les coudes beaucoup trop haut. Donc, observez ce type de technique, ça vous permettra de mettre plus lourd et de travailler surtout la partie du muscle que vous voulez solliciter en particulier. Dernière série, les amis, c'est la quatrième et dernière série aux élévations latérales. Let's go. C'est parti. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, on pose. Yes! Deuxième exercice terminé, on va passer au troisième exercice. N'oubliez pas, pour chaque série de travail, vous prenez entre 2 et 3 minutes de récupération. Pour les séries d'échauffement, vous prenez entre 45 et 1 minute de récupération. On est parti pour le troisième exercice, les amis, suivez-moi. Les amis, on est parti pour le troisième exercice pour les épaules, le faisceau antérieur, élévation frontale alternée avec haltère debout, prise neutre, donc Will, en élévation latérale, tu échauffes à 25 kg et on lance à 12,5. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi cette variante de poids conséquente entre deux exercices? En fait, c'est tout simplement parce que je vais vraiment bien avoir la congestion au niveau du deltoïde avant. Et j'essaye de faire le mouvement en faisant le moins possible d'à-coups avec le buste, ni en utilisant les pecs, ni en utilisant la force des bras, de vraiment monter qu'avec le deltoïde avant. Donc comme c'est une petite portion, bah, y a des petits poids. On est parti pour la première série de travail. Il y aura 4 séries de travail à 20 kg, les amis. Prise neutre, bien évidemment, ces poids, c'est indicatif. C'est pour lui, c'est pas forcément pour vous. Donc, trouvez la bonne charge, comme je le répète dans toutes mes vidéos, les amis. On enchaîne. 2, 2, 3,
4. 4. Encore 5. 5. 6. 6. Super, on pose. On va prendre 2 minutes de récupération, les amis. On va passer à notre prochaine série. 5. 5. 6. 6. Yes. Les amis, on va passer à notre dernier exercice. On va travailler les trapèzes. Là, j'ai décidé de mettre les trapèzes avec les épaules. On va passer au quatrième exercice, les amis. Exercice pour les trapèzes avec des haltères debout, tout simplement. Simple, efficace. Let's go. On est parti pour la première série de trapèzes. Je ne sais même pas combien de reps on va faire. Moi, je suis comme vous. Je vais le découvrir en même temps que vous. C'est parti. Sur ce mouvement, veillez à ne pas bouger la tête vers l'avant quand vous montez les épaules. L'important, c'est de garder la tête droite, la poitrine sortie, ce qui vous permettra de travailler bien le volume des trapèzes et de travailler les trapèzes d'ici jusque-là. On peut poser ? On va faire une série de 20, une série de 15, une série de 12, une série de 10 et 4 séries de travail de 6 répétitions. Comme vous avez pu le voir dans tous les exercices que nous faisons, vu que là on a fait que 3 exercices pour les épaules et un exercice pour les trapèzes, on fait pas mal de séries d'échauffement pour pré-fatiguer le muscle, pour que lorsqu'on va passer à notre série de travail, on capitalise à mort. On va prendre 1 minute de récupération entre chaque série d'échauffement et 2 minutes de récupération entre chaque série de travail. On se retrouve bien évidemment pour la première série de travail, les amis. Les amis, on est parti pour la première série de travail, série à 60 kg, les amis, c'est pas un jeu, on est parti pour 6 reps, let's go. On pose. On va faire 4 séries de travail comme ça. On va prendre 2 minutes de récupération entre chaque série, les amis. On se retrouve à la prochaine série. Dernière série de travail. Let's go. Allez. 1. 2. Yes. 3. 4. 5. Encore une. Et 6. Les amis, l'entraînement arrive à sa fin. Un entraînement, 3 exercices. Pour les épaules, on a travaillé chaque faisceau, faisceau postérieur, faisceau latéral, faisceau antérieur, tout avec des haltères. On a ponctué et terminé avec les trapèzes pour le dernier exercice. Will, est-ce que tu peux nous dire ton ressenti sur cette séance d'épaules? Ressenti fatigué comme après chaque séance. Donc ça veut dire que c'est une bonne séance. Congestion au rendez-vous, donc signe de bonne séance. Pas de blessure, très bonne séance. Les amis, abonnez-vous, mettez les notifications pour savoir quand une nouvelle vidéo sort. N'oubliez pas qu'en description de la vidéo, vous avez le lien de mon programme Le Protocole, le premier programme francophone qui booste vos hormones naturellement. Donc, si tu as la quarantaine comme moi, ce programme est fait pour toi. Si tu es jeune et tu as l'âge d'être mon fils, ce programme est fait pour toi, car ça veut dire que tes hormones sont en ébullition. Donc, si tu prends un programme qui va booster ton corps naturellement, tu vas frôler les étoiles, mon ami. J'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et Will ? La jalousie, ça se mérite, poto. Yes, on aime, on aime.